escale à Albertville. Allez, on met la patate, on a 80%. Et on lâche tout ça. Alors on est en position dorée. Tester la machine. C'est lui qui a détecté le trim, là. Ça, c'était ça l'algorithme. C'est parce que j'ai commencé à toucher qu'il a activé le cellule. Car peut-être pas tout de suite, parce que tout ça, il a été déclaré après. Là. Alors évidemment, là, je suis dans une situation extrêmement inconfortable, puisque j'ai qu'une vision à droite. Mais il est pas si gros que ça. Là, tire, on part sur l'aile. Est-ce qu'elle est là où il est tout le temps? Alors, je vais rester 2005. Il affiche 2000 pieds minute là. Ah bon, la méthode. On n'est pas la vitesse d'un machin à 2000 pieds minute. Tout bizarre. Bon. Alors, je suis à 2500, on est à l'altitude de pied. Je vais passer une fonction. On va voir les beaux éclairages. Saluer Martial et Robin. Oui, on va aller se faire un petit tour dans la vallée. Il est
vais chercher un sang, le monter. On va voir ce qu'il fait. Joli, mais j'aurais préféré sans le drone. Tellement la nature, c'est tellement pratique. Alors là-bas, c'est le sud-ouest. Par là, à un moment donné, je me rappelle plus de ton pseudo, je vais pas donner ton nom. Alors. C'est ce que je cherche. Alors en dessous nous avons fort. Quatre points de jour. Un rêche. Par ici. On est là en vacances. Quand on est de revenant, il est là. Ça va monter, elle est là. Ah, on dirait qu'il n'y a pas de début. Bouger les points, il reste plus à
explorer la région. Un petit peu de mania aussi, tiens, tant qu'à faire. Le Mont Blanc. La station dont je monsieur Laclan n'essaye même pas de m'en rappeler. Roselande est ici. Voilà. Beaufort. Tiamo là, ok. Nous on était quelque part par là. Là il y a le patin. Ouah, cornet de Roseland, Pyramanta. C'est Pyramanta. J'ai un truc qui s'appelle la mixture. J'augmente la mixture. Et il réduit tout. Manette de richesse 91%. Waouh! Ah ouais, 9000 pieds. Bon, alors elle s'appelle comment cette montagne? On va chercher les 10000 pieds. Allez, encore un petit effort, cocotte. Aussi fait un petit effort. Le relief a l'air plus intéressant, je le crois. Ah ouais, c'est pas mal ça. Plus rien qui marche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Savoir. Alors, c'est un truc de fou là. Rien qui va ouvrir. Alors, on est à 10000 pieds. Je vais me mettre en panier. Alors, à 10000 pieds déjà là, si je mixture pas. Ils sont là. Je cherche le ratatouillage. Ah tiens, ça y est, une augmentation de ici là. Et ça commence à baisser. Ok, c'est bon. Je vais pas aller chercher plus. Donc on va dire que j'ai mixturé correctement, je suis à 22%. Je n'ai pas pu dire si c'est autre chose ou pas, mais on va voir le résultat en vrai. Alors,
je baisse le régime moteur. Images qui sont belles, on a des sensations de pierrier là, c'est pas dégueu, c'est pas une granette partout, mais globalement c'est pas dégueu. Merci l'écran de pas t'éteindre, bon c'est intéressant. Alors cette truc là ultra chiante, on va tourner autour de la montagne, la plus montagne, mais tiens. C'est sûr que là pour voir la trajectoire exacte, c'est pas simple, on est en vertical, bien. Ok. Bon ben c'est joli là, on regarde tout le cadre extérieur, tout le cadre général. Ça correspond à dire ce que je me souviens, ça c'était le vol avec Martial. Chercher un palier en montagne. Pas tout de suite. T'es légère. Ok. Ah. Dire qu'il est trouvé. J'ai donc un peu d'incidence quand même. Bon. Combien là, 2200 tours, 190 km/h, c'est-à-dire une centaine de nœuds, ce qui serait pas forcément volé pour cette machine. Ah là, j'ai trouvé le palier croisière. Ok, ok. On va observer la ratatouille. Voilà, là il ratatouille, c'est pas bon. Enfin, il décroche, le moteur décroche. Voilà. Donc 21%, ça semble bien. J'ai pratiquement pas bronché. On fait route vers quoi? Vers le nord. Ouais, c'est pas mal. Chercher là. Plusieurs donc crawl, ouais bien sûr. La pointe croche avec le col du joli. Et le mont joli. Et d'ailleurs ce que j'ai sous les yeux là-bas, c'est peut-être bien le mont joli lui-même. Voilà. La pointe croche, elle est plutôt par là. Puisqu'en fait, il y a les montagnes qui sont ici. Voilà, il y a le lac, il y a les montagnes qui sont ici. Les montagnes sont ici, le col est là. Là, la pointe croche, elle est là. Roseland. Beaufort est en dessous, elle garde du Bardin. Et alors,
Et on est 9000 pieds quasi stable. 95 nœuds. Ça a l'air d'aller, d'y trouver, puis régler la machine. Allez, on va se faire des petites séquences prises de vue. Alors, juste en dessous, l'aiguille croche, on va voir apparaître. Point de croche. Il y avait quelques bâtiments ici. Ah, on dirait que ça va. Un petit nuage, rien du tout. Donc ça remet pas la vue à zéro en fait. Si je fais ça. Alors, on va faire un virage un petit peu de puissance. Oui, alors c'est bête de ne pas pouvoir regarder son côté. J'ai touché un truc au clavier, ça a foutu le merdier. Pas touché quand on ne connaît pas. Qu'est-ce que j'ai touché au clavier? Ça doit être le trim. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est le trim, donc faut pas toucher au clavier. Alors, on voulait faire de la mania au-dessus de l'aérodrome. Allez, on part 8500 pieds, je réduis tout. Je cherche le décrochage en restant les ailes là. Ah, par contre, je vais monter 8700 euros qui repart 8700. Alarme décrochage, on est ouais, on passe juste en dessous, 8600 pieds, je maintiens. Hop, on rentre. Hop là, on prend la main. J'ai pas remis plein de patates. Et on va chercher un peu de visibilité.
doit être un peu plus derrière. Je suis par là à gauche. A priori. Ok. Bon, on va remonter un peu plus haut. Je suis vers le sud-est. Ouais, c'est ça, ça quoi. Ça vers le sud, mais ok. Stall. Alors si je tire dessus comme un abruti, et parmi les moteurs, 7000 pieds après une espèce de riz, la montagne à droite, tiens. Chercher ça au-dessus des reliefs. On réduit tout. 8800. Et c'est la plat. Vitesse chute. Hop là, on part. Allez, on maintient, on va faire un encadrement. On va faire, on va essayer de faire 80 nœuds. La piste doit être derrière. Doit être à 5000. Allez, tout au feeling. Puisque j'ai pas de contrôle.
5. Tu vas revenir un petit peu quand même. Ah bah tiens, la piste. Cet appareil est en très fin, et même un deuxième cran. Par contre là, c'est un peu trop cherché. Voilà, c'est mieux. Mieux, mais c'est limite. Eh ouais, un peu trop tôt. Ah, il faut pas grand chose. Hein. Donc c'était fin, mais ça dégrade bien quand même. C'est pas ça du tout. C'est mieux de la piste, ça? Non, non. Bon, alors. Chercher à se poser à Antimon. Sans chercher à monter trop haut pour le coup.
ça l'enchou américain. On est bon pour l'essence. Ça enregistre du coup. Dis quoi lui au portail. Alors, ça marche quelque part en dessous en principe. Voilà, c'est utile. Ah, il n'avait pas réveillé, il était bien là. C'est formidable, ça on voit bien les imperfections de... du côté un peu sombre. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais je vais le faire. Il y aura un dégagement s'il est faux sur la partie éclair. En fait, c'est ça que j'ai. Je sais pas si elle est bonne, mais c'est ça. Bon, chauffer plus stable.
mémoire, ça doit plutôt être par là-bas. Voilà, c'est coupé assez court. J'ai oublié le nom de la zone. Pourquoi je descends? Le soleil est haut, il va rester encore une bonne heure. Peut-être pas une heure. Trois quarts d'heure déjà. Là. Alors la question est de savoir où se trouve le terrain, c'est là où ça devient intéressant, les sports. Je vais vers l'ouest. Ouais, je vais parler d'Amérique. Derrière là-bas, ouais. Ah, tiens. Voilà. La Clément. Bon, j'aimerais qu'il arrête de descendre. Très léger. Suspense, c'est ce que je vais me poser. Sur le terrain, si je le trouve, ou bien dans l'herbe. Le coucher du soleil.
se poser trop de questions non plus. Par contre, on peut chercher des terrains, des grands terrains. Il y en a un là. C'est vraiment dommage que j'ai pas le traquis. On va plus jouer à ça. Pilotage pour eux. Là, on doit pouvoir se poser à gauche. C'est-à-dire avec la rivière qui fait une espèce de truc comme ça. Là, il y a un bout. Avec en ligne de mire l'arc de la route. Ici, il y a des chambres, le terrain est là. Mais bon, en principe, si je ne me suis pas trompé, on va trouver le terrain. 26, un mas. Là c'est bon, ouais ça a l'air d'être bon. Il y a un truc au milieu quand même. Il y a l'espèce de cheval, on va dire. On appelle ça faire un cheval là. P, il faudrait passer ici. Viser le centre, ce qui donnerait d'ailleurs plus de latitude. Tac 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 tac. Sauf que là dans pas longtemps. Il va à droite là. Ah, Anamas, c'est le Fox Golf Alpha Mike Bravo. Mike Bravo. Visuel sur les installations, 5500 pieds pour une verticale. La question étant de savoir à quelle altitude se trouve le terrain. Sortir une carte FISA. Est-ce que ça va marcher ça? Ah, ici. Préparation du vol, je cherche la carte. Anomas. Ok. Alors, on a. À 2600 pieds. Évidemment, il y avait des fréquences à tout ça. Pour aller contre un seul. Alors, 2600 pieds. Le terrain est pas droit, donc je vais arriver plutôt par la droite du terrain. Je serai dans la lumière en plus. Qui est visuel sur le terrain. Alors la biroute, alors je peux chercher la biroute là-dessus, elle est plutôt par là. Donc 2600 juste.
pied, je serai à l'altitude. Seulement maintenant on veut voir la dose étant de l'autre côté et le terrain il est où. Alors la dose c'est la préférentielle, j'arrive dans le mauvais sens finalement, à 3400 pieds. Vertical terrain, est-ce qu'on voit une birique là-dessus? Voilà, c'est plus 500 pieds. Alors ça c'est juste pour voir si une biroute tout pas mettre son pied. Nœuds, 3200 pieds. Bon allez, je m'intègre sur la 12. 3100 pieds. Je vais chercher. On voit rien. Donc on vise, on suit. Ok. Alors vu la vitesse, je vais mettre un chrono. Essayer d'aller par là pour m'éloigner et revenir le long de la route en évitant ce truc là. D'où s'est trouvé cette route? J'ai trouvé une route. Admas, Fox My Gravo, 3200 pieds. Je m'éloigne pour chercher la vente arrière en main droite sur la 12. Sur le côté droit de la route. Je suis 3300, donc je suis trop haut. Putain, on passe ultra près du terrain là. Ces arbres ici. 2700 pieds. Pas d'autre route, hein. 2600. On est du sud vertical du terrain là. Ah ouais, d'accord, on va faire ça. D'accord, donc la route elle est complètement là-bas. On va aller chercher, on va voir ça.
je découvre le terrain d'Atlas. Alors là, ça doit être ça, puisqu'on a l'espèce de la rivière là, qui fait le coude. Ah, ben voilà, c'était ça la route. Ok, 2600 pieds stables, 92. Donc là, on prend, on est sur une route quoi, sur 300. Ouais, c'est ça. On va prendre 30 degrés à droite, chercher Anmas, Fox Mike Bravo, fin de vent arrière, baïonnette. Alors, c'est quoi comme point de repère après ? C'est quand on a la rivière en l'angle, le terrain est là-bas, on va pas tarder, il y a une route en dessous. Mas, Mike Bravo, passe en base, prend un complet sur la 12. Ah, pas de chemin de fer. Ouais. D'accord. Mas, Fox, Mike Bravo, vertical de la voie de chemin de fer, en base, je suppose, prend un complet. Il faut penser à descendre. Atmas, Fox, Mike Bravo, en finale le 12 pour un complet. Le grand volet, la pompe. On cherche l'axe. 130 km/h. Attention, on n'est pas dans l'axe, on cherche l'axe. À peu près sur un bon plan là. Ah tiens, c'est des papillés. Pas comme ta map de ce bon là. Mais je connaissais pas ça. Enfin, je passe en dessous. Petit palier. Et là, en fait, à ce stade-là, on s'en fout un petit peu. La vitesse, elle est bien. Je suis presque au centre, je réduis tout. J'arrondis. Là, je rebondis. Posé, pas cassé. Alors elle dit quoi là? La vague est sur la 12, il y a une sortie un peu plus loin. Là. Ok, on s'arrête. Anmas, piste 12, dégagée. On reconfigure, on enlève la pompe, la réchauffer les voitures. Anmas, Fox Mike Bravo, roule au parking aéroport. Et il est posé à 19h35, heure légale. Ça fait 25 minutes. Ah ouais, mais 3 quarts d'heure, c'est ça, mais c'était sous l'horizon quoi. Alors l'aviation générale est plutôt en face là-bas. Parking invitaillement, enfin parking à
l'avitaillement. Facile un train classique, hein. À avoir, on va dire. Ça, ça va être l'avitaillement. Là, ce Fox Mike Bravo est perdu parmi les autres appareils. Je quitte l'écoute. Bonne fin de journée, bonne nuit à tous. Direction l'air, il va se dépêcher de se poser. Bon. Et ben sur ce, belles, sur cette belle image, devrais-je dire plutôt. Non, on va se garer quand même. Et ben. Alors ça peut pas être un trafic AI parce que j'ai pas de trafic AI actif. Donc ça c'est un autre pilote. C'est toi Dominique? Non, t'es pas enroulé. Ok. On va essayer de l'éteindre proprement. Alors proprement j'en sais rien. Là le chat est content. Allez hop là. Oh il s'est arrêté. Il va y avoir des boutons. Tiens c'est l'occasion. Pompe carburant. Réchauffe plutôt. Anticol. Ah tiens ils sont allumés. Phare de tressage. Ah ils sont allumés. Feu de position. D'accord. Ça c'est l'horizon artificiel. Oula, un truc qui s'appelle inactif, c'est pas bon. Voilà, le frein de parc est serré. On coupe l'alternateur. Rien fait dans l'ordre. C'est pas grave. Allez. Bye bye. Et bonne nuit à tous.